Hello World, c'est Golden et bienvenue pour un nouvel épisode de Super Mario Galaxy. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai débloqué des galaxies et j'ai récupéré des super étoiles, tout simplement parce que mon record a planté. Voilà, le record n'a pas voulu enregistrer, il n'y a qu'une seconde qui a été enregistrée et le reste a crashé. Donc bon, j'étais très content comme vous pouvez le voir. Donc du coup, je suis obligé de refaire cette galaxie, donc je perds un petit peu du temps, mais bon, c'est ce qu'il faut. Pour que vous ayez quand même le let's play au complet, parce que sinon j'aurais pu passer à la suite. Mais bon, je préfère quand même vous montrer le jeu en entier, c'est un peu le but quand même d'un let's play 100%. Donc, du coup, on va refaire celle que j'ai pas. Enfin, celle que je vous ai pas montrée, mais que je connais. Donc, la planète du poisson antique. Donc, c'est le Guanfrulouma qui me demandait en fait 800 fragments étoiles et je pouvais du coup débloquer cette galaxie. Alors. Hop, je vais faire à peu près comme j'avais fait. Donc, du coup, en fait, il faut tout simplement récupérer une carapace en or pour pouvoir débloquer ce petit truc. Comment on appelle ça? Ce petit coffre, voilà. Hop, je vais essayer de griller le bout. Bon, j'ai pas réussi. Alors, pour récupérer la carapace dorée, il faut en fait qu'on récupère des petits trucs jaunes qu'il y a dans l'eau. Et pour cela, il faut qu'on s'approche un peu plus du sol. Faut que j'essaie de les récupérer du coup. Hop. Parce qu'en plus, c'est pas forcément très simple de tout ça récupérer. Alors, le premier, il est bon. Ensuite, est-ce que j'en vois un autre? Ah oui, là. Ici. Alors, comme vous savez, Mario dans l'eau, c'est vraiment la galère. Donc, bon. Faut j'essaie de lui faire tourner le champ de la de caméra, mais c'est un peu compliqué. Ah, j'en vois un là. Ok. Deuxième. Oula, j'ai failli me prendre le petit serpent là. Enfin serpent, je sais pas trop ce que c'est comme truc. Alors, ah, je vois un autre. Je suis passé à côté d'un autre d'ailleurs, mais je suis pas sûr. Donc je vais quand même faire le tour pour vérifier. Donc là pour le moment j'en ai pas d'autres. Ça a l'air d'être bon. Ok, donc bon, je vais continuer à faire le tour. Comme ça, le prochain jaune, je vais pouvoir le voir, je vais pouvoir l'avoir. Ah là, il est là. Je vais essayer de bien viser. Ok, non, toujours pas. Voilà, 4, c'est bon. Et donc, le cinquième, il est au centre de ce truc. Donc, je vais essayer de faire tourner la caméra parce que je peux pas gérer la caméra dans mon Galaxy, ce qui est complètement un petit peu chiant. Ok, je l'ai. Donc là, je vais directement prendre comment ça s'appelle ça, le portail. Et je vais tout simplement récupérer celle-ci. Voilà, la carapace dorée. Alors, maintenant faut que je trouve la sortie de ce truc. Alors, où est-ce qu'elle est la sortie? Elle est là. Très bien. Et donc, maintenant il faut juste pas que je la perde. Ça, c'est autre chose. On va casser les blocs là. Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait autant de boue. Très bien. Mourez les boues. Mourez. Ok. Non. Allô? Allô Mario, s'il te plaît, arrête de faire le con. Voilà. Alors. Voilà. Et voilà. Et dedans, il y a le Captain Toad. Ouais, je ne pouvais plus respirer. Ah, Mario. En fait, je suis tombé sur ce coffre en voulant attraper une super étoile. C'était terrible. Quoi qu'il en soit, prends la super étoile que j'ai trouvée. Alors du coup en fait quand on fait un niveau de Mario Galaxy, on a une étoile dorée. Et quand on refait un niveau, on a simplement une étoile transparente pour bien signifier qu'on avait déjà l'étoile. Prends cette super étoile, oui je sais. Merci. Du coup pendant l'épisode que je vous ai record en fait et que j'ai... Enfin que entre guillemets j'ai record, je n'ai pas pu du coup vous montrer que j'ai réussi à avoir les 50 étoiles. Donc c'est quand même un cap de passer, hein. 50 étoiles c'est pratiquement bientôt la moitié du jeu. Voulez-vous sauvegarder? Enfin la moitié du jeu, au moins en LP 100% après l'histoire principale, c'est à peu près ça. Hop, alors du coup, de retour dans la chambre. Alors du coup je passe maintenant par la gauche parce que c'est plus rapide d'aller par la gauche que par la droite. Ah, hop, sauf si j'ai fait une connerie. Hop, donc je vais attendre tranquille. Oui je sais, il y a un one-up là-bas mais je vais pas récupérer parce qu'il faut faire le tour et c'est un petit peu chiant. Voilà, donc du coup j'ai celle du Guanfrulouma, donc on va faire le reste maintenant. Alors, du coup, hop, par là. Alors, la dernière fois, du coup, on avait fait le jardin venteux, la première étoile.
Donc, j'ai débloqué le volcan de glace, l'île sablonneuse et bien sûr la rouge d'escalade. On va se faire le volcan de glace, le premier, et puis après on verra pour se faire la spéciale. Une comète farceuse. Alors, ça glisse sur la montagne de glace. Voilà, alors avec le fameux boss gelé. Alors, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Frozy ou Freezy, pas un truc comme ça. Ou Fizzy. Non, Fizzy, c'est les trucs noirs. Je sais plus. Alors, sur la glace, Mario peut patiner. C'est d'ailleurs un petit peu spécial, mais bon. Il faut tout simplement que je chope ce pingouin pour qu'il puisse me faire déplacer là où il y a le boss. Ok, bon. On va essayer de le choper, ce petit pingouin. Alors, ça va être un peu compliqué de le choper, parce qu'en plus avec les commandes qui s'inversent tout le temps. Et c'est bon. Ok, bon. Pas mal pour un vieux. Avec autant de technique, tu devrais pouvoir t'en sortir là-bas. Ok. Allez, c'est parti. Zou. Décollage. Elle est magnifique cette galaxie-là, franchement. Les prochains niveaux sont aussi très beaux, hein. Franchement, c'est une bonne idée d'avoir mélangé le volcan et la glace. Hop. Oula. Mince, 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 mince. En gros, faut pas que je reste trop dans l'eau parce que l'eau en fait est gelée et donc du coup bah ça me fait pas mal de dégâts. Ok, une fleur de glace, très bien. Alors, cette petite bestiole là, je les aime pas trop. Ok, bon, j'arrive à gérer un peu. Hop, Mario de glace, le retour, le comeback. Ok, ça passe, très bien. Bon là j'ai un one-up et bon je m'en fiche un petit peu du one-up. À vrai dire. Hop. Ah ok, je peux pas faire un demi-tour quand je suis en mare de glace, très bien. Hop, c'est bon, je passe. Ok, bon. Donc du coup là on se rend tranquillement en haut de la montagne pour pouvoir faire le boss. Ah, il y en avait un autre en haut, j'avais pas remarqué ça. Ok, fleur de glace, c'est reparti pour un tour. Elle est géniale cette musique aussi. Hop, vite, on se dépêche avant que ça s'enlève. Ok, c'est bon. Alors, voilà notre fameux boss qui mitraille, hein. En vrai, il tire vraiment beaucoup. Donc pour le battre c'est très simple, il faut être en Mario de glace pour pas être affecté par les dégâts. Et pour pouvoir lui coller une tatane. Hop. Voilà. Allez c'est parti. Panam panam panam. Fais des petits slaloms. Salut toi. Ah merde. Mince. Bon du coup je vais attendre que la fleur de glace disparaisse pour aller la récupérer. Forcément, je me suis pris le coup qu'il fallait pas. Allez, c'est reparti. Ok, c'est bon. Maintenant, faut lui refoutre un coup. C'est bon. Ah, ok. Mario est tombé. Alors du coup on va les récupérer encore une fleur de glace. Donc faut le faire trois fois hein, donc c'est quand même assez long et assez chiant mais bon. C'est ce qu'il faut pour pouvoir le tuer. Hop. Ok, allez c'est reparti pour un tour. Hop, deuxième coup. Et on va essayer de l'avoir pour avant de faire le troisième. Ok, c'est bon. Cool. Je pensais pas l'avoir sans faire le dernier tour, mais bon. Hop, on récupère ça, on va récupérer la petite pièce qui est là. Ça sert strictement à rien dans ce jeu, mais bon.
Donc voilà, ça nous fait encore un petit truc de plus, donc ça c'est cool. Et on arrive tranquillou. Oh, yeah. Vous avez trouvé une étoile, volcan de glace, elle glisse sur la montagne de glace. Très bien. Voulez-vous sauvegarder? Non, je ne vais pas sauvegarder. Hop, allez, du coup. On va faire laquelle? Ouais, on va faire l'île sablonneuse, on repartira après sur le jardin venteux et on finira sur l'île de glace s'il nous reste un peu de temps. Hop, c'est parti. Alors, l'île sablonneuse. C'est étoile déjà? Les vents du désert, très bien. Donc, les vents du désert. Alors, les vents du désert. Ok. Alors, les Skellorex, je m'en fiche un petit peu. Hop. Alors. Tac. Donc en gros, en fait, il faut, tu sais, les tornades qui vont nous permettre d'avancer dans la galaxie. Ah, donc tranquillou, faut que je me rapproche des autres, des suivantes. Hop, ok. Je vais reprendre celle-ci. Après, il faut que j'atterrisse dans celle du milieu. Donc en gros, faut pas que je tombe sur ici, hein, parce que si je tombe ici dans les trucs, dans le sable, je meurs instantanément. Ok. Boum. Ah oui, alors là c'est la partie en fait un peu à la Mario Bros. Donc ça change un petit peu. Ok, oula. Peut-être attendre un petit peu avant de passer quand même. Alors j'étais pas passé par là la dernière fois, j'étais passé par en dessous. Hop. Ah, je me demande ce qu'il y a en haut. Ah, il y a un one-up. Oula, bah j'ai bien fait de me pencher parce que sinon c'est la mort assurée. Ok, bon, on va récupérer ça. Oh. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Ok, ça nous donne juste des fragments d'étoiles. Bon, why not? Ok. Hop, ok. Suivant. Alors là, il y a des petites gravités en fait autour de ces petites planètes là. Bon, ça fait des fragments d'étoiles, c'est toujours ça de pris. Hop, j'en récupère quelques-uns, bien évidemment. Hop. Ah oui, et là, on va pouvoir débloquer une nouvelle transformation qui est, si vous connaissez bien Mario, la fleur de feu. Et là, c'est parti pour un carnage. Ok. Oula. Oula 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 oula. Vite 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 Mario. Ouais, fragment. Mass fragment. Hop. Allez, du coup, on passe au suivant. Voilà, la petite tour de sable. Hop, ok, donc là faut que je monte là. Donc en gros là c'est qu'une montée tout simple, hein. Bien évidemment. Et si j'arrive à passer. Allez Mario. Hop, et là c'est une partie un peu à la Mario Bros comme tout à l'heure qu'on a fait dans le niveau. Hop. Oula, doucement. Doucement Mario, doucement quand même. Hop. Le petit truc. Ensuite on passe là, on fait ça, on va à gauche. Là, du fragment. Ouais, c'est encore pour des fragments, mais bon. Hop, je les récupère quand même parce que bon, j'en vais en avoir besoin. Parce que vu que le dernier Gwenfulma m'en a demandé 800. Donc bon, je vais quand même récupérer pas mal. Hop. Mince, j'arrive pas. Allez, passe Mario. Non, Mario, t'es trop gros. Non. Oh. Ça y est, ça lui a pas plu que je dise qu'il est trop gros. Forcément, il a fait qu'il y tombe. Allez, hop, 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 hop. Hop là. Hop là. Hop. Allez, Mario. Voilà, c'est bon.
Tac, tac, tac. Les petits saumureaux. Tac, tac, tac. Hop, c'est bon. Alors, et normalement, voilà, l'étoile se trouve ici. Alors oui, alors faut faire attention de pas... tomber dans le sable trop longtemps. Parce que sinon, on finit par mourir. Ok. Ah oui, puis fun fact aussi, du coup, quand j'ai tourné cet épisode, quand j'ai libéré en fait l'étoile, et ben Mario était sur l'étoile, donc du coup ça a donné un truc assez marrant. Et bon, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce que les records a planté, merci Action. Hein, voilà. Ok. Ok. Bon, au moins je récupère des fragments, au moins c'est pas trop du temps de perdu. Voulez-vous sauvegarder? Non, je vais pas sauvegarder pour le moment encore. Alors du coup il nous reste le deuxième jardin venteux. Allez, on va faire le deuxième jardin venteux. Youhou! Alors le jardin venteux, le roi Mogu entre en scène. Décidément on s'en fait aujourd'hui des boss. Youhou! Ah, avec cette magnifique musique de Mario Galaxy. Alors. Hop. Donc ici, pour tuer... Enfin, il faut tuer la taupe qui est ici. Tac, voilà. En gros, on fait une charge au sol pour pouvoir la faire sortir et après on lui met un coup de poing dedans en tournoyant. Ok, alors deuxième partie, encore des taupes, histoire de bien comprendre le principe de comment ça marche. Ah mince, j'aurais pu faire un double kill. Oh mais genre, elle est rentrée tout de suite quoi. Oh, la taupe. Oh, en plus ça va super vite cette connerie. Allez, t'es où? Oula, bah, j'ai failli lui rentrer dedans. Le champ de caméra, mon dieu. Non. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ok, elle est là. Hey, casse-toi, toi. Ça en finit au moins. Plus qu'une. Reviens ici. Mon dieu, mais elle est trop rapide. C'est quoi cette taupe de... C'est Sonic, quoi. Bon, Sonic, c'est intéressant, mais bon. Un peu pareil. Ah, voilà. Allez, hey, casse-toi. Quand même. Allez, passage suivant. Ah tiens, je vais essayer de récupérer, de faire ça. Ok, la dernière fois j'ai pas réussi à faire ça. Donc là c'est une découverte du coup. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Ok, des fragments d'étoiles. Fragments d'étoiles qui doivent du coup nous montrer un chemin, je suppose. Ah, il y a un power up là. Enfin un one up. Ok, ok, ok. Là il y a un autre truc. Ah, encore des fragments d'étoiles. Ok, il y a encore un autre truc. Encore des fragments d'étoiles. Allez donc, où est-ce que ça nous emmène? Ok, ça a l'air d'être terminé. Ok, bon. Très bien, alors maintenant, la question c'est, voilà, il faut que je prenne ça pour pouvoir passer à la zone suivante. Ok, bon. Alors ici, les petites pommes, les petites pop-pommes, les petites pop-pommes. Boum. Mince, j'ai raté mon saut, mais bon, c'est pas grave. Allez, Mario. Touc. Donc en gros il faut s'en servir comme passage pour pouvoir passer. Ce qui est assez intéressant je trouve. Oh, elle est magnifique cette musique. Magnifique ma chérie. Est-ce qu'on peut monter sur le trognon du truc? Enfin sur le bout de branche. Moi je sais pas, j'ai pas l'impression. Ah mince, je suis juste pile poil pas assez haut. Ah si, c'est bon, ça passe. J'ai même pas besoin d'actionner le truc. Lol.
Moi aussi ça me donne un power up parce que je le prends. Ouais bon, je vais le prendre juste par la beauté du truc, mais bon. J'en aurais pas spécialement besoin. Yahoo! Ok, c'est parti du coup pour à la rencontre. Enfin pour rencontrer le roi Mogu. Le boss. Qui est en train de vouloir manger un petit luma. Enfin lapin luma. Luma lapin. Je sais pas comment on peut appeler trop ça, mais bon. Je vais me faire dévorer, au secours. Le bruit qui fait ce machin. Ok, c'est parti. Alors, où est-ce qu'il va? Il est où? À gauche. Ok, très bien. Donc, je vais à droite. Là, faut que j'attende qu'il sorte. Encore. Et là, boum, charge au sol. On lui court après. Et un coup de poing. Ok, là, il est passé en mode extrême rage. Plein de fragments. Je récupère tout ça. Ok, il est où? À gauche. Donc, je vais à droite. Ok, là il est en mode rage. Un coup. Faut attendre le deuxième. Ok, et maintenant, vite courir. Ok, ça passe. C'est bon. Et il meurt dans d'atroces souffrances. Ok. Et hop, on va récupérer ça. Vous avez obtenu une super étoile. Ce qui fait du coup logiquement notre 50e étoile. Et après on fera du coup notre 51e. Voilà, donc là j'avais mes 50 étoiles, ce qui est quand même plutôt cool. Voulez-vous sauvegarder? Non, pas encore. Hop. Et on va aller à le volcan de glace. Enfin au volcan de glace, pas à la volcan de glace. Et on va aller se faire la comète farceuse qui est... Une comète farceuse. De quelle couleur déjà? Mauve. Enfin bleu. Pour l'anti-Mario, la course sur la glace. Et je peux vous prouver que ça, c'est encore un niveau de type bien relou. Non. Vite. Allez hop, ok, c'est bon, c'est parti. Donc là je parle pas trop simplement parce que faut que je sois hyper concentré parce que c'est pas une des courses les plus simples. Alors je suis désolé parce que là l'émulateur qui lag un peu, enfin il rame un peu, je sais pas trop ce qu'il a. Ça fait longtemps que je record en même temps, donc bon, en même temps il commence un petit peu à en avoir marre peut-être. Allez, vite, 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 c'est bon, ça passe. Ouf. Ah mon dieu, c'est un niveau hyper stressant, je hais ces trucs, c'est horrible. C'est juste horrible. Oh, yeah. Voilà, donc du coup j'ai pu récupérer mon épisode, donc au moins je suis content. Voulez-vous sauvegarder? Oui, ça y est, je sauvegardais enfin. Ah, bon, c'est cool. Allez, du coup, je vous dis rendez-vous à la prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur Discord et à me rejoindre. À me suivre sur Twitter et à me rejoindre sur Discord, plutôt, c'est plus logique comme ça. Et on se dit rendez-vous à la prochaine. Allez, tchuss!